Radio, l'IFE, minuit. Program Alter Radio sou internet se sankanpi, 24 sou 24. Se sankanpi. Konekte sou TuneIn ak Zelle. 24 sou 24. Koute. Koute. Abone. Abone. Pataje. Pataje. Informasyon toutan. Informasyon sou tout kestyon. Informasyon nan tout fom. Tande, 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 sa pa konen koute, nan pot nouveno. Informasyon lan nwi pou la jounen sou Alter Radio 106.1. Informasyon pou nal pi lwen. 24 enkate. Jounal Alter Radio. 24 enkate. 24 enkate, informasyon bezwen sou Alter Radio. Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org, mais toutes diverses plateformes internet. Bienvenue, merci d'être nous choisi Alter Radio pour informer nous. Mais quelques principales informations, nous avons pour nous développer dans l'édition 24 Cap Vinien. Pays Panama, pape servi transit encore pour aucun femme et garçon migrant sans papier. Ces déclarations, nouveau président Panama, José Raúl Mulino, dans le premier discours officiel, lundi 1er juillet 2024, là, pour le premier politique, là, j'y suis arrivé 1er juillet 2029. C'est pas une déclaration qui s'y prenne personne monde. C'est comme si pays Panama a cherché à reprendre droit grand monde li sous frontière liguen dans Darien et pays Colombia. Mais tout, c'est comme si nouveau président pays Panama a paré pour mener la guerre contre monde li considéré comme l'ennemi pays qui c'est femme et garçon migrant yo, et spécialement femme et timoun migrant yo. C'est une analyse collaborateur Alter Press et Alter Radio, Woldy Edson Luidor. Tous les jours, il y a entre 1000 et 2000 femmes et garçons migrants qui sortent dans le pays d'Haïti, Venezuela et Équateur cap essayer traverser frontière d'Ariane nan pi fò nan migran sa yo se timon ak fòm ki sibi divers kalte zak maspinay sou route se sa servis nasyonal frontière Senafront peyi Panama rapote semen pase. Merkredi 3 juye 2024 la plizye polisye Kenya Pamisa ki rive Port-au-Prince yo mardi 25 juin 2024 la te fè yon vireron nan zon Klesin Kafurita pa tro loin direksyon jeneral la polis nasyonal d'Haïti. Kontreman ak pomiye informasyon ki te pale de yon pomiye goup 400 polisye Kenya se pito apipre 200 polisye se peyi Kenya ki te rentre nan peyi d'Haïti mardi 25 jan 2024 la gen lot goup polisye Kenya ka prive nan semen kap vini yo se deklarasyon premier ministre Garry Conille nan interview li bay Radio France Internationale semen sa. Conseil Sécurité Organisation Nations Unies doit continuer à prendre sanctions nécessaires contre tout cela qui corrige l'intérêt gang criminel avec l'agent ak zam ak bal yo, doit gagner plus contrôle sur commerce ak trafic zam ak bal qui sorti dans pays États-Unis pour rentrer sur territoire Haïti. C'est exigence représentant la Chine ak la Russie dans réunion Conseil Sécurité Nations Unies mercredi 3 juillet 2024 là dans New York. Formation pour militaire l'armée d'Haïti, coopération entre pays d'Haïti ak pays États-Unis dans affaires défense, déploiement d'une force multinationale là sur territoire Haïti. Sete sijè diskisyon mèkredi 3 juye 2024 la ant menis defans transisyon Jean-Marc Berthier ak ambasade Amerikyan nan peyi d'Haïti, Denis Bruce Hankins. L'histoire riche ki gen ant peyi d'Haïti ak Etazini fè de peyi sa yo trouve yo nan yon relasyon makonay ki solide an pil. Nap kontine travay pou renforse makonay sa yo zanmitay ak solidarite nan benefis de peyi yo. Se sa Garry Conille ekri sou kont X li okasyon 248 l'anè l'indépendance peyi Etazini 4 juye 1776 4 juye 2024 la. Rete konekte sou Alter Radio pou sa yo ak divers lot pou al fè esensyen l'edisyon 24è kap vini an. 24è, jounal Alter Radio. Li soti a 6è di swa, li pase tou a 10è di swa, minui, 4è ak 5è di maten epi midi. 24è, informasyon nou bezwen sou Alter Radio. Ou toujou sou Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org, men tout divers platform internet yo. Yon lot fwa ankor, mesye dam. Bonjou, bonsoy pou nou tout. Mersi pou fidelite nou ak atensyon nou. Bienveni nan Devlopman Jounal lan. Tankou nou toujou fè sa, nap koumanse avèk nouvel sou tan. Imidite ak lot bouleves nan tan, ap bay bonjan aktivite la pli ak loray sou la plipart depatman peyi da Haiti yo.
Cyclone Beryl la pas sous pays d'Haïti encore. En attendant, gen pil humidité dans l'air sous Gozili Caraïbio jodia. Ensemble avec l'autre qualité bouleverse dans temps, c'est une situation qui a bail bon genre activité la pli qui marche avec l'oreille dans finissement après-midi à Kaswe sous zone Noyo sous département plateau central, la Tibonite sud-est, sud Gradas Nipak l'ouest côté nous joindre zone métropolitain Port-au-Prince. Gen gros soleil ak bouyay sous département pays d'Haïti au matin, a bien en pile nuage dans finissement après-midi à Kaswe. Niveau chaleur a continué en pile pendant journée à commencement à Kaswe. Soti dans niveau 36 degrés Celsius, température après descendre entre 24 pour 20 degrés Celsius dans Kaswe. De temps, yo va éviter rentrer dans fond la mer cap mauvais en pile. Capitaine bateau, chaloupe, boafouye, pipirit yo doit toujours prendre précaution nécessaire pour tout côte pays d'Haïti yo. Vague yo ap monte nan niveau 8 pieds hauteur bokot sud yo, 6 pieds hauteur bokot dile lago navio pas trop loin Port-au-Prince ak 5 pieds hauteur bokot nord pays d'Haïti yo. L'autre point nan journal lan. Pays Panama pap servi transit encore pour aucun femme ak garçon migrant sans papier. Ces déclarations nouveau président Panama José Raúl Mulino nan premier discours officiel li lundi 1er juillet 2024 là pour le prendre maître politique là jusqu'rivé 1er juillet 2029. C'est pas une déclaration qui s'y prend personne monde, c'est comme si pays Panama ap chercher reprendre droit grand moun li sous frontière li gagne nan Darien ak pays Colombia, mais tout c'est comme si nouveau président pays Panama apparaît pour mener la guerre contre moun considéré comme l'ennemi pays a qui c'est femme et garçon migrant yo et spécialement femme et timoun migrant yo. C'est une analyse collaborateur Alter Press ak Alter Radio Wuldi Edson Luidor. Ou kali analyse ça dans espace internet Alter Press là sous nouveau disposition gouvernement pays Panama annoncé li prend sous frontière d'Ariane nan li gagnent ak pays Colombia. C'est à sous pression gouvernement pays États-Unis, nouveau gouvernement Panama a décidé de prendre une série de dispositions pour empêcher femmes et garçons migrants sans papier qui sortent dans plusieurs pays tant que Haïti traverser frontière d'Ariane entre pays Panama et pays Colombie. C'est disons divers spécialistes dans migration dans Amérique. Yon semaine avant installation officielle li, nouveau président pays Panama, José Raúl Mulino, te dit li pral siyen yon akor ak pays États-Unis pou empêche femme ak garçon migrant travesse frontière d'Ariane nan. Justement, même jour installation officielle li lundi 1er juillet 2024 la, nouveau président Panama, José Raúl Mulino, siyen yon entente ak pays États-Unis sou sa yore le migration ki pa régulier ki donc pou empêche femme ak garçon migrant passe sou frontière d'Ariane nan. Pays Panama gen ak pays Colombia. D'Ariane si yon gros zone marécage ak forêt ki sou yon longue à peu près 160 km ak 50 km large sous frontière pays Colombie ak Panama. Tous les jours, gen entre 1000 ak 2000 femmes ak garçons migrants qui sortent dans pays Venezuela, Équateur, Haïti cap essayer traverser frontière d'Ariane nan. Pi fò nan migran sa yo, se ti moun ak fòm ki sibi divers kalitez ak maspinay sou wout, se sa, Servis National Frontier Senafont, peyi Panama, rapote semen pase. Lòt pwen nan, jounal lan. Mèkwèdi 3 juye 2024 la, rektora Université l'État d'Haïti a siyen yon akor ak l'École Droit ak Siyans Ekonomik Gonaïv lan pou gen pi bon jesyon nan l'École Droit ak Siyans Ekonomik Gonaïv lan. Akon sa aprivoa pral gen disposition pou pemete pase men kontinye fet kom sa doa nan fason l'Ecole Droit ak Siyans Ekonomik Gonaïv lan ap mache. Li prevoa tou bon jan disposition pou kwapi korripsyon sak pasa nan Fakilte Droit ak Siyans Ekonomik Gonaïv la. Epi tou dwe gen bon jan relasyon antre rektora Université l'État d'Haïti ak l'Ecole Droit ak Siyans Ekonomik Gonaïv la. Tout de suite après avoir fini un accord 3 juillet 2024 là, rectorat Université de l'État d'Haïti a installé pour un mandat 3 l'année sorti 3 juillet 2024 pour arriver 3 juillet 2027. Yon komite jesyon 3 membres an dedan l'Ecole Droit ak Siyans Ekonomik Gonaïv la. Faustin Cupidon, Octelus Dorvilien ak Chadrak Saint-Ilien Telusma, se 3 moun sa yo ki an chaje menen bak l'Ecole Droit ak Siyans Ekonomik Gonaïv la jiskrive 3 juye 2027. Genyon konsey konsiltasyon 5 moun ki zoti nan organizasyon Gonaïv yo ki an chaje kore travay komite direksyon l'Ecole Droit ak Siyans Ekonomik Gonaïv la. Nou evite ou koute deklarasyon rekte Université l'État d'Haïti a professeur Fritz Desommes. La nouvelle direction de l'École de droit et des sciences économiques des Gonaïves, composée des personnalités suivantes, maître Faustin Cupidon, magistrat Octelus Dorvilien, docteur Chadrak Saint-Saint-Cilien Telusma. Ils sont désormais investis dans leurs fonctions
et sont en charge de l'EDSEG pour les trois prochaines années. Par la même occasion, j'ai le même bonheur d'investir dans leurs fonctions les membres du conseil consultatif de l'École de droit et des sciences économiques des Gonaïves, conseil composé de Maître Edgar Sellus, Monsieur Wilton Jean-Baptiste, Docteur Grenson Jeune, Ingénieur Ravel Norgues, Madame Yves Nonpierre, a eu aussi tous nos voeux de succès dans cette nouvelle charge qu'ils vont assumer bénévolement avec amour et générosité pour le bien de la société gonaïvienne. Jou sa ki pote l'espoir pou etudyan l'ekol doa ak sens ekonomik nan Gonaiv et Zeg, pou jenèz Gonaiv la, ak tout la tibonit la, pou profeseur, pou personel, pou notab, pou intelektuel a tout populasyon vil la. Nou kontan paske nou rive jwen 3 personaj respektab nan Gonaiv ki deside ramase et Zeg pou l'fel rejwen dantan li. Kontraman ak premye informasyon yo ki te pale de yon premye goup 400 polisye Kenya, se pito apepre 200 polisye peyi Kenya ki te antre nan peyi d'Haïti madi 25 jan 2024 la. Gen lot goup polisye Kenya kap rive nan semen kap vini yo, se deklarasyon premye minis Garry Conille nan yon interview li bay Radio France Internationale RFI semen sa. Gouvernement transisyon poko ka di nan ki dat tout fos multinasyonal kap deplotonen sou teritwa Haïti a ap rive nan chif total kapital yo, men gen disposisyon kap pran pou deplotonay tout fos multinasyonal la fet rapide gen patne internasyonal ki deja pran angajman pou bay resous moun ak lajan pou fos multinasyonal la deplotonen sou teritwa Haïti a. Se sa Garry Conille di nan interview li bay Radio France Internationale la RFI. Deklarasyon Premier Ministre Garry Conille. Misyon fos multinasyonal la ki koumanse deplotonen sou teritwa Haïtia se pote akompanyman nesesè bay la polisi nasyonal d'Haïtia ki pa jam sispan menen operasyon sou teren. Nan tèt koule ak polisye Kenya yo, se la polisi nasyonal la ak l'armée d'Haïtia ki pral repren kontrol tout kote ki yon bala tere gang ak zam yo. Se sa Garry Conille di nan interview li bay Radio France Internationale la RFI. Se peyi d'Haïti ki pral deside li menm ki lè la polis ak l'armée d'Haïti a bezwen akompanyman nesesè yo, se presisyon Garry Conille nan interview li bay Radio France Internationale la RFI. Nou invite ou koute yon bout nan deklarasyon Premier Ministre Garry Conille. Il y a à peu près 200, un peu plus que 200 dans le premier contingent et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, ce chiffre augmente de manière significative. Oui, car 2500 policiers de la force internationale doivent arriver à terme. Quand est-ce qu'elle sera au complet ? C'est un processus qui est en cours. Je préfère ne pas parler de date exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est que les partenaires haïtiens sont très engagés et sont en train de prendre toutes les dispositions pour que ça se fasse le plus rapidement que possible. Oui, il y a des problèmes logistiques, des problèmes de logement notamment pour ces policiers kenyans. Ce genre d'opération en général, il y a toujours énormément de choses que nous devons résoudre, mais ce que moi j'ai vu et ce qu'on a compris dans les conversations que nous avons avec nos partenaires, c'est qu'ils comprennent bien l'urgence et ils sont très engagés à pouvoir offrir le support et l'appui qu'il faut pour que ça se concrétise. Pour l'heure, ces policiers kenyans notamment font quelques patrouilles, mais il n'y a pas d'opération d'envergure. Quand est-ce que cette force va commencer réellement à remplir ses missions ? La mission de cette force est évidemment d'accompagner la police nationale qui n'a jamais cessé de faire des opérations. Donc le lead dans la reprise de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par les gangs, ça sera toujours la police et l'armée d'Haïti. Donc c'est nous qui allons décider à quel moment, dans quel contexte et comment cet accompagnement sera nécessaire ou à une valeur ajoutée. Évidemment, nous allons discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider. Journal là, après poursuivre sous Alter Radio. Konseil Sekurite Organizasyon Nasyon Zinyo dwe kontinye pran sanksyon kont tout si la kap kore la tere gang kriminel yo ak la jan avek zam ak bal yo dwe gen plis kontrol sou komes ak trafik zam ak bal kap soti nan peyi Etasini pou rentre sou teritwa Haitia. Se exijans reprezentan la Chine ak la Roussi nan reynyon Konseil Sekurite Nasyon Zinyo merkredi 3 juye 2024 la nan New York. Justement, sityasyon sekurite nan peyi d'Haïti, dosye eleksyon, sanksyon kont tout si la kap kore gang kriminel yo ak la jan plizam. Sete sije diskisyon yo nan yon reynyon Konseil Sekurite Nasyon Zinyo, merkredi 3 juye 2024 la.
Ou toujours sous Alter Radio 106.fm, www.alterradio.org. N'a fait place pour qu'elle est là. Collaboratrice nous, Marie Farah Fortuné, dans la page internationale journal. Vladimir Poutine a affirmé jeudi 4 juillet pays Russie prend au sérieux déclaration Donald Trump qui fait connaître plusieurs fois s'il retournait président l'a campé bien vite conflit exam entre Kiev et Moscou. Monsieur Trump en tant que candidat présidence lundi, il paraît il gain volonté pour camper guerre en Ukraine. Nous prenons ça très au sérieux si sa président Russie fait connaître dans une conférence pour la presse Astana. Président chinois Xi Jinping mandé jeudi 4 juin pour résister à ingérence extérieure yo pendant un sommet qui fait Astana, Kazakhstan d'après sa télévision l'État CCTV rapporté. Nous devons unir nous pour résister face à ingérence l'autre côté yo pour nous soutenir yon l'autre pour nous soucier des préoccupations nous gérer problème interne nous l'en faire la paix tourner priorité nous c'est ça le déclaré face à représentant pays membre organisation coopération Shanghai là OCS qui gagne la donne si tout Inde Iran mais tout pays ici. Et puis Premier ministre Narendra Modi a en visite officielle pays Russie 8 à 9 juillet. Dirigeant qui n'a pas vraiment accepté position occidentale concernant la crise ukrainienne et sanctions qui visaient Moscou, a bien parlé développement relations russo-indiennes traditionnellement amicales, mais tout agenda international là, d'après ça Kremlin fait connaître. Conseil pratique pour goumen contre des informations. Citoyens, citoyennes, mettez l'esprit bon comprenne nous sous nous. C'est pas tout ça ou tendez, ça ou lit, ou soit ça ou gardez sur internet qui la vérité. Toujours chercher vérifier tout ça ou rive joine. Chercher connaître qui côté causé a sorti, qui est-ce qui publie elle, qui l'est à qui côté ça t'est arrivé. Fouiller dans l'autre source ou connaît qui qu'on habitié bay bon gens information. Vérifier. Chercher dans média crédible pour ka comparer. Pas courir là like, courir partager, courir commenter information ou gen doute sou li ki soti sou réseaux social yo. Faut connait gen équipe kap travay même pour faire des informations. Évitez prendre gol nan men yo. Nous besoin information vérifiée pour nous construire démocratie. Média, journalistes, citoyens, an kanpe goumen contre des informations. C'est un message projet Combit pour bon genre démocratie ak sipo Organisation internationale francophonie ak Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni Organisation internationale francophonie. Pote kole pour sauver la vie. Vin participer nan journée bay san sauf an organisé nan tête kole ak Centre national transfusion sanguine jeudi 11 juillet 2024 nan Jardin Kiskeya numéro 42 rue Villemene Boisvenna. Chaque jour en Haïti, docteur besoin sang pour sauver la vie d'un compatriote. Soit moun qui fait accident qui besoin sang, soit femme qui a pas couché qui besoin sang, ou bien moun qui souffre diverses qualités maladies qui besoin sang. C'est seulement moitié moun parmi ceux là qui besoin sang, Centre national transfusion sanguine qui arrive sauver. Et l'autre moitié, qui rôle ou capable jouer pour empêcher moun mourir pour sang? Jeudi 11 juillet, sorti 8h pour arriver 3h dans Jardin Kiskeya, numéro 42, rue Villemene, Boisvenna, sauf à inviter ou vin poser un geste l'amour et solidarité. Baisan, c'est un geste héroïque. Vini en foule, vin tourner héros et héroïne. Autant de nouvelles là, avec mon cash, Kounia ou ka recevoir l'argent sorti l'autre bord de l'eau. Mon cash fait les vins plus facile pour gérer l'argent à partir du téléphone. Bliye causer après ligne pour jeune cob moun l'autre bord de l'eau voye pour wa. Kounia ou ka recevoir l'argent sorti États-Unis, Canada, Chili, Brésil, la France, direct sous compte mon cash ou. C'est ça bien pour faire, c'est inscrire dans mon cash, élargir compte ou, et puis activer opt-in, leur faire étoile 202 dièse, option 6, ou bien accepter sous application mon cash. Là. Après ça, vous pouvez recevoir transfert international sous compte. Découvrez plus bonne façon pour kembe, voyer et puis recevoir l'argent avec mon cash. Pour vérifier si compte élargi, fait étoile 202 dièse, option 5 et puis 4. Les types placés full KYC, ça veut dire compte élargi. C'est les mine KYC, relève 202 pour assister. Avantage santé, c'est quatre la soignage là. Vin assurer pour pas nan tête chargée. Avantage santé,
c'est kat la soyage la. Quel qui soit l'âge ou wap jouen la soyage. Ak selman 1500 goud, wap jouen kat la soyage pendant 3 mois. Ak yon koken chen service. Le wach se kat assurance la, consultation yo gratis. Medikaman, générique à gogo pou selman 150 goud. Examen laboratoire 150 goud. Vin pren kat la soyage pa ou la. Pour toute urgence ak information, rele nan 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous jouons 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Ou toujours sous Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org, dans page économique journal 1. République Dominicaine, c'est le pays qui rentre plus l'argent sous pourcentage produit intérieur brut PIB. En même temps, l'ICE deuxième plus gros marché dans affaires touristes dans Amérique latine, nan, tout de suite après pays Mexique. C'est ça, journal dominicain qui relie Dominican Today révélé de tel tap cité information Latine Vest, un site qui publiait information sur Internet qui était cité lui-même et statistiques Organisation Nations Unies, l'ONU, gouvernement République Dominicaine avec gouvernement pays Uruguay. Année passée, l'argent République Dominicaine était rentré dans affaires touristes sous pourcentage produit intérieur brut et 8.1%, ça qui veut dire PIO dans Amérique latine, nan, et puis 5 fois supérieur à la moyenne région, hein, l'en comparé à pourcentage produit intérieur brut dans affaires touristes dans le pays. Colombie lui-même, c'est 2.1%, Mexique 1.7%, et puis Brésil 0.3%. Seulement année passée, République Dominicaine t'est rentré plus passé $9,751,000 dans affaires touristes. Dans l'année 2023, c'est plus passé 10,307,000 touristes qui ont visité la République Dominicaine. Un chiffre qui pi haut passé une série d'autres gros destinations touristiques dans la région, tant coup Argentine, Brésil à Colombie. Ou toujours sous Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org, nan page culture journal. Scénariste Chinatown, Robert Town, mouri de tel te gen 89 l'année sous tête li. Marie Farah Fortuné pour plus de détails. Robert Town, scénariste hollywoodien derrière chef-d'œuvre Chinatown, il est souvent décrit en coupé bon scénario cinéma qui pas jamais écrit, mouri à 89 l'année. Town t'est récompensé à travers un Oscar pour scénario ça. Il mouri la Cali lundi. Il était imposé en tant que figure nouvelle Hollywood année 1970 yo, et était connu tout comme monde qui écrit des premiers volets saga Mission Impossible. Plusieurs classiques cinéma bénéficient à Paul, même si non pas sous générique yo. Parmi yo, Bonnie and Clyde ak Le Parrain. L'été aidé tout sous première en tant que consultant créatif nan commencement carrière nan année 1960. Pour Le Parrain, Francis Ford Coppola te salil sous scène Oscar yo, li même qui te prend statuette pi bon scénario a. L'été nommé 3 années yon de l'autre pour Oscar pi bon scénario nan mitan année 70 yo et te prend prix pour Chinatown nan. Town a été réalisé quelques films pendant que Riel Tour. En tant que scénariste, il était associé à Tom Cruise sous Jour de tonnerre qui était sorti dans l'année 1990. Yon collaboration, Durant a pral renouvelé sous deux premières missions impossibles. Town a lui-même tout fait office pour dicter consultant sous célèbre série télévisée Mad Men. On a toujours été avec Marie Farah Fortuné dans page Santé Journal. Valneva joigne autorisation pour commencer vendre vaccin li produit contre chikungunya dans zone Union Européenne. Marie Farah Fortuné pour plus de détails. Commission Européenne a bay fevel pour commercialisation sous vieux continent vaccin X-Chiklan, laboratoire pharmaceutique franco-autrichien Valneva développé ses premières et pour kounya sel vaccin dans monde là qui là pour prévenir infection chikungunya. Gounia maladie virale ça moun prend léon moustique qui infecté piqué le sitou Aedes albopictus là yo plus connait sous nom moustique tiglan en pile dans hémisphère sud là entrée moustique tiglan en Europe sous effet réchauffement climatique la dernière année ou progression bien vite sous continent fait penser à gros menace centre européen prévention à contrôle maladie agence santé publique l'union européenne qui en charge collecter mais tout analyser données concernant maladie infectieuse t'es parlé de ça. Nan pi fwa kayo chikungunya la koz gwo la fyev ak doule atikile ki kapab persiste pandan plizye mwa men viris lan kapab touye moun tou si tou pasyen ki touche pidi yo.
24h. Journal Alter Radio. Li soti a 6h di swa, li pase tou a 10h di swa, minuit, 4h ak 5h di matin epi midi. 24h, informasyon nou bezwen sou Alter Radio. Se la jounal la revè nan bout li, men avan nou chapè pou nou nan praple ou prensipal informasyon nou te devlopè. Peyi Panama pap servi transit ankor pou oken fam ak gason migran san papye. Se deklarasyon, nouvo prezident Panama, José Raúl Mulino, nan premye diskou ofisyel li lendi 1er juye 2024 la pou l'promayet politik la jis rive 1er juye 2029. Se pa an deklarasyon ki si pren person moun, se kom si peyi Panama ap chèche repren dwa gran moun li sou fontyel gen nan Darien ak peyi Kolombia. Men tou, se kom si nouvo prezident peyi Panama ap pari pou l'mene la gen kont moun li konsidere kom lenni peyi. Ya ki se fam ak gason migran yo, espesyalman fam ak timoun migran yo, se yon analize kolaborate Alter Press ak Alter Radio, Wuldi Edson Luidor. Tous les jours, gen ant 1000 ak 2000 fam ak gason migran ki soti nan peyi d'Haïti, Venezuela ak Ekwater kap eseye travesse fontyè Darien nan, pi fò nan migran sa yo se timoun ak fam ki sibi divers kalte zak maspinay sou wout, se sa Servis National Fontyè, Senafront, peyi Panama, rapote semen pase. Merkredi 3 juye 2024 la, plizye polisye Kenya Pamisa ki rive Port-au-Prince yo mardi 25 jan 2024 la, te fè yon vireron nan zon Klesin, Kafurita, pa tro loin direksyon jeneral la polis nasyonal da Haiti. Kontreman ak pwemye informasyon ki te pale de yon pwemye goup 400 polisye Kenya, se pito apipre 200 polisye peyi Kenya ki te rentre nan peyi da Haiti mardi 25 jan 2024 la, gen lot goup polisye Kenya ka prive nan semen kap vini yo, se deklarasyon pwemye minis Gary Koni nan intervju li bay Radio France Internasyonal semen sa. Konseil Sekurite Organizasyon Nasyon Zini yo dwe kontinye pran sanksyon nesesè yo kont tout si la kap kore latere gang kriminel yo ak lajan ak zam ak bal yo, dwe gen plis kontrol sou komers ak trafik zam ak bal kap soti nan peyi Etazini pou rentre sou teritwa Haitia. Se exijans reprezentan la Chine ak la Risi nan reynyon Konseil Sekurite Nasyon Zini yo merkredi 3 juye 2024 la nan New York. Formasyon pou milite la mede Haiti yo, kooperasyon ant peyi Haiti ak peyi Etazini nan zafè defans, deploton Air Force Multinasyonal la sou teritwa Haitia. Sete sijè diskisyon mèkredi 3 juye 2024 la ant menis defans transisyon Jean-Marc Berthier ak ambasade Amerikyan nan peyi d'Haïti, Denis Bruce-Hankins. L'histoire riche ki gen ant peyi d'Haïti ak Etazini fè de peyi sa yo trouve yo nan yon relasyon makonay ki solide an pil. Na protine travay pou renforse makonay sa yo zanmita yak solidarite nan benefis de peyi yo, se sa Gary Koni ekri sou kont X-Li okasyon 248 l'anè l'indépendance peyi Etazini 4 juye 1776 4 juye 2024 la. Jounal la terife posib grasa konkou tout ekip Alter Radio an bas supervision Ronald Colbert, Emmanuel Marino Bruno, participation Marie Farah Fortuné, realizasyon Michel Pierre. Nan mi kwa pou te prezante ou prinsipal informasyon yo, nan pam se Pierre Filon Saint-Fleur, rete konekte sou Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org. Mentou ou kakoute nou sou divers platform internet yo. Programasyon apwa pou suiv, bapay tout moun. 24 enk Jounal Alter Radio 24h, informasyon bezwen sou Alter Radio. Alter Radio. Ou pa gen lot chwa ke branche Alter Radio sou 106.1. It's your boy Blazy.